Je m'appelle Ernest Cole. Je suis né le 21 mars 1940 à Pretoria, en Afrique du Sud. Dans les années 60, chaque jour, chaque heure, et malgré le danger, j'ai photographié l'apartheid sans m'arrêter. Le monde entier s'est ému cette semaine des sanglants incidents dont l'Afrique du Sud a été le théâtre. Dans les regards, les gestes, j'ai essayé de trouver du sens là où il n'y en avait plus. Chroniquer la misère, l'injustice, la cruauté était devenu mon quotidien. Mais exposer la vérité a un prix. Cela s'appelle l'exil. Je pensais découvrir un nouveau monde de liberté, d'égalité. De New York au sud des États-Unis, je photographiais ces corps, ces regards, furtivement croisés. Pourtant, une réalité s'est vite imposée. En Afrique du Sud, j'avais peur d'être arrêté. Dans le sud de l'Amérique, j'avais peur d'être tué. Mais je n'ai jamais arrêté de photographier. Un seul instant.